créée par Madame Emma Lahlib en octobre 2011. Cette association tunisienne encourage les citoyens et les citoyennes à prêter attention à l'environnement et à les impliquer dans une campagne de solidarité nationale. Elle propose de collecter des bouchons en plastique pour ensuite les vendre à des usines de recyclage. Et avec l'argent, on peut acheter des jeux en main pour les handicapés. Nous avons besoin de votre aide, car nous voulons collecter le maximum de bouchons en plastique autour de nos écoles, nos remarques et Jacques Prévert. Nous ferons aussi une action écologique car nous protégeons la vie contre l'eau en recyclant le plastique. Mais il faut aussi une belle action en main car l'eau est capable de personnes handicapées. Oh le symbole de l'association que le drapeau de Tunisie, un cœur, le drapeau de Tunisie, le drapeau de la Tunisie, très bien, un arbre, est-ce que tu sais de quel arbre c'est, quel arbre, un olivier, d'accord, parce que c'est l'arbre, l'olivier, il symbolise un peu l'espoir, d'accord, l'espoir et la générosité aussi, voilà. Vous allez être généreux parce que vous allez aider des personnes handicapées à travers ce projet. D'accord? Ok? Vous pouvez compter sur les CE2. Donc, il faut collecter le maximum de bouchons. On va faire une compétition entre nous, Remalet et Jacques Prévert. Le projet que nous avons fait pour l'association est maintenant les deux écoles. Merci beaucoup, les enfants.